Donc, salut à vous, j'espère que vous allez bien. Mon Dieu, contre-jour. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Donc là, on est mercredi aujourd'hui. Je viens d'aller porter les filles et là, j'ai fait un arrêt rapidement. Je vais essayer de vous mettre ici. Désolée si on est croche là, mais c'est ça, dans le fond, j'ai fait un arrêt rapide au Dollarama. Pour l'Halloween, dans le fond, à la maison, on va offrir, ben en fait c'est pas moi là, c'est Will et ses partners vont offrir aux enfants des ballons lumineux. Alors moi dans le fond, je vais faire des sacs à surprise aux enfants qu'on va donner à la porte. J'ai acheté comme d'autres bonbons, mais on en avait déjà, j'en avais déjà acheté, mais ça ce que je trouvais ça fun, c'est les bonbons, c'est des bracelets en bonbons là. Je trouvais que c'était cute de rajouter ça. Sinon, il y a ça pour Clara, pour sa tête. Clara qui se déguise en sorcière. Je vous montrerai au pire. J'avais-tu montré? Je vous montrerai les robes que j'ai trouvées. C'était vraiment tough de trouver des costumes d'Halloween. Je trouvais rien. Clara voulait absolument être en sorcière. Puis elle disait, moi, Lily en sorcière. Fait que au H&M, il y a comme une section d'Halloween. Puis il y avait des robes noires vraiment cute. Qui faisait comme des robes de sorcière, fait que c'est vraiment parfait, au moins je sais que c'est à leur grandeur et tout. Sinon ben c'est ça, j'ai acheté des petites lumières comme ça pour acheter sur leur genre de stand qu'ils vont faire, ils vont offrir du café aux parents. Alors c'est ça, c'est vraiment le fun. Sinon j'ai trouvé, vous allez me dire déjà, mais oui déjà, j'ai trouvé des calendriers de l'Avent de Frozen l'année passée, j'en avais cherché partout puis j'en avais pas trouvé. Fait que là je suis vraiment contente de les avoir trouvés, j'en ai pris un chaque pour les filles et des plaques à cuisson, ne jamais trop. Pour vrai, moi je les aime bien ceux du Dollarama, ils m'ont toujours satisfaite là, t'sais, je les fais pas direct sur la plaque, puis je mets tout le temps comme un papier parchemin. Puis pour moi ça c'est parfait, t'sais, avec la saison Noël qui arrive et tout, j'en avais comme besoin de plus, fait que c'est vraiment juste ça. Sinon il y avait du ruban comme ça, j'avais vraiment commencé à essayer de faire des rubans pour mes cheveux, mais je vais peut-être devoir attendre que mes cheveux soient plus beaux et longs. C'est quand même très drôle parce que souvent il y a quelqu'un comme ça à côté de moi qui pense que je me parle toute seule. Mais maintenant avec le Bluetooth pis tout, s'il voit pas la caméra, ben je pense qu'il la voit pas, je peux juste avoir l'air de quelqu'un qui parle au Bluetooth. C'est ça, fait que là, je vais faire mes autres petites commissions avant de retourner à la maison. J'étais mise sur la waiting list pour le Pilates à 12h30, mais là genre le cours est plein pis il y a comme pas de place, fait que c'est ça, ça va aller à demain. Faut que j'aille m'acheter un séchoir à cheveux. Je rêve d'avoir le séchoir Dyson. Mais c'est sûr que là c'est pas donné, fait que je vais sûrement le mettre sur ma liste de Noël aussi, mais là pour l'instant j'ai besoin, mon autre il a juste explosé. Alors je me séchais les cheveux puis mon séchoir a explosé dans mes mains, pas dans mes mains là, mais comme il a sauté, puis là moi ça, là, cette affaire là ça me faisait peur là, fait que là, il marchait plus obviously. Je pense qu'il y avait juste trop de choses de brancher là, mais j'ai genre littéralement vu des tisons là puis tout ça. Quand elle se sentait le brûler. Fait que c'est ça. Tout ça pour dire qu'il est dead, puis il me faut un long séchoir rapidement parce que j'en ai un autre comme que tu sèches comme ça, un peu comme le genre Dyson version plus cheap, mais ça brûle beaucoup trop les cheveux, puis là genre déjà mes cheveux sont comme une catastrophe. C'est ça, je vais leur donner un break, fait que je vais aller m'acheter ça. Puis quelques autres petites commissions par-ci par-là avant de retourner à la maison. Bon, donc je suis de retour à la maison, là, j'ai fait toutes mes commissions, je suis arrêtée au Sephora, j'avais besoin de mon contouring, je prends le Charlotte Tilbury, puis qui, là, fouillez-moi, là, ça faisait longtemps que j'étais allée au Sephora, mais je savais pas que Sephora était rendu avec Glossier. Fait que je sais pas s'ils l'ont toujours eu, mais moi je commandais toujours directement de chez Glossier, puis ça prenait tellement de temps avant de recevoir. Fait que c'est ça, j'ai acheté le eyeliner parce que j'en avais plus, ça faisait vraiment longtemps que je me mettais plus d'eyeliner. Fait que j'en ai racheté. C'est ça. Fait que sinon, après ça, j'ai fini mes commissions, puis là, je me suis envenue à la maison. J'ai déjà mangé. J'ai mangé un wrap au poulet, il est genre 11h30, mais j'avais tellement faim, j'en pouvais plus. J'ai pas déjeuné ce matin, fait que, tu sais, je suis partie tellement vite avec les filles et tout. Même que là, je pense que je vais me faire genre un yogourt ou un bol de céréales avec plein de choses parce que j'ai vraiment, vraiment faim. Sinon, là, j'ai pris le temps aussi de ramasser la maison parce que quand je pars le matin, ça se peut des fois, c'est le bordel. Mettons, quand je pars, quand c'est pas Will, mettons, il va porter les filles à garderie. Quand moi je pars, ben là, j'ai pas l'air de tout ramasser. Fait que, tu sais, je me pressionne avec ça, puis je me dis, je vais le ramasser en venant. Puis est-ce qu'il y a juste mes filles, ou dites-moi que vos enfants font ça aussi, mais mes filles ont des poupées, des Barbies et tout, puis il n'y en a pas une qui est habillée. Ils sont toutes tout nues, genre, je sais pas pourquoi, ils déshabillent tout le temps, puis ils jouent comme ça. Comme exemple, bébé tout nu. Fait que là, je me retrouve avec plein de poupées, avec. T'sais, mettons que Clara elle enlève leur couette, leur boucle, t'sais, mettons Elsa, elle a plein d'Elsa, il y en a pas une qui a une
une tresse. En tout cas, fait que j'ai beau dire de pas le faire, ils font quand même. Oh mon Dieu, ok, j'ai plein d'emails aussi à répondre, là, je vais répondre à ça. Je voulais faire un DIY de DIY, my god, DIY d'un do-it-yourself de l'Halloween. Des petits fantômes qui sont genre suspendus. Je vais essayer même de le filmer pour vous montrer soit en reel ou juste comment. Et c'est ça, dans le fond, que tu mets une chandelle. Ah, oh, c'est ça, j'ai pas trouvé. J'étais allée au magasin de pièces puis j'ai pas acheté de chandelle. C'est pas grave, de toute façon, ça prend 24 heures avant de dry, fait que il va falloir quand même que. Tu sais, je pourrais pas mettre de chandelle en dessous parce que je vais pas mettre. Dans le fond, vous allez voir une photo de mon inspiration. Puis c'est ça, dans le fond, une petite chandelle. Puis c'est ça qui fait que c'est beau le soir, mais je vais pas mettre des vraies chandelles là, parce que, I guess. Le feu, je sais pas, là, mais en tout cas, je vais mettre de ces chandelles-là comme en plastique là, avec des batteries. Ok, donc là, un peu plus tard, et je vais faire les petits fantômes. On met dans le fond l'eau chaude, deux tasses d'eau chaude, puis une tasse de figue de maïs. Puis là, dans le fond, tu le mixes avec ton truc, puis c'est super liquide. Tu le mets au four à micro-ondes pendant 30 secondes. Ensuite, tu rebrasses encore, tu en mets un autre 30 secondes, puis tu vois, moi, c'est devenu une genre de pâte comme ça. Qui est comme tic qu'on va laisser cool down pour que ça soit moins chaud. Dans le fond, moi, je vais prendre ça ici. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. Puis c'était genre 10$ le paquet. Là, tu vois, il est quand même épais. Puis là, dans le fond, je vais prendre des vases auxquels je vais mettre des ballons. Puis je vais venir déposer ces trucs-là dessus comme une forme de fantôme avec, en laissant tomber les trucs vraiment pour que ça donne l'impression que c'est un long fantôme, puis surtout pour que ça tienne. Puis dans le fond, demain, après que ça aille vraiment dry, tout ça, tu vas briser le ballon, tu vas le popper, je vais le filmerai, là, tu vas popper le ballon, puis dans le fond, ça devrait vraiment tenir, fait qu'on voit un peu comme au travers. Puis tu sais, là, je vous dis ça, là, mais c'est ça que j'aime d'essayer de plus en plus des do-it-yourself qu'on voit. Des fois, ça a l'air super simple, first thing you know. C'était plus beau. Comme mettons, moi, c'est la première fois que je le fais, mais tu sais, souvent, quand les gens ils présentent des trucs comme ça ou des recettes, là, ça fait plus d'une fois qu'ils le font, là, fait qu'ils ont pu se perfectionner, ils savent exactement où bien doser la dose puis tout, mais moi, c'est vraiment, j'y vais cold turkey. On dirait Bertrand qui a crié, genre, juste à ne rien comprendre. Bon, donc je viens de ranger le linge des filles. Dans le fond, j'avais fait du lavage hier, puis j'avais juste pas rangé leur panier, puis ça n'a rien, mais c'est long. Tout plié et tout, les petits vêtements. Après ça, j'ai rangé le nôtre aussi, qui était en train de sécher sur les supports. Il avait fallu que je fasse du repassage, mais ça va aller un autre jour. Sinon, là, j'ai mis à faire un café glacé parce que ça va être juste bon pour pouvoir travailler le reste de l'après-midi. J'ai fait de la vaisselle, je ramassais un peu la cuisine pis tout. Il était venu manger dans le fond à la maison, fait qu'on a pris le temps de jaser un petit peu pis tout, pis là, il est reparti pour son meeting. Sinon, ben là, c'est ça, mes petits... il est arrivé au moment où je faisais mes petits fantômes, fait que là, ils sont juste là. Fait que ça va sécher, j'ai hâte de voir là, honnêtement, on dirait que... Écoute, là c'est comme ça, on va voir comment ça se passe, mais on dirait que je doute d'avoir mis assez de trucs sur la toile. Mais regarde, à suivre, puis comme je dis, ben c'est un test. C'était vraiment pas compliqué à faire. Puis, c'est ça, j'avais pas assez finalement de cheesecloth, pas de chair, Colin n'avait pas beaucoup. Fait que si jamais ça marche vraiment, 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 ben je serai pour les prochaines années. Puis sinon, ben si ça marche pas, ben ça aurait été un fail puis je le referai plus. Ça a été compliqué les ballons, puis j'ai vraiment gênée, c'est vraiment très drôle. C'est ça. Fait que là, dans le fond, il est 1h50, là, je vais faire une petite heure encore, travailler un peu sur l'ordinateur. Faut que je continue à monter dans le fond un PowerPoint présentation pour un client. Fait que je vais faire ça. Et, oh, c'est ça. Ok, attends. Les gars TDAH, là, mais je voulais vous présenter ça avant. Dans le fond, c'est un colis de les petites jazettes, là. Je ne l'ai pas ouvert encore. Fait qu'on va le découvrir en même temps. Les petites jazettes, dans le fond, nous, on a des cartes d'apprentissage pour l'apprentissage au langage ou le développement du langage. Clara, les prononciations, c'est pas toujours facile, mais c'est sûr, elle a sûrement 3 ans, mais comme elle a quand même difficile, mettons, avec ses B, ses V, elle va dire les hosts au lieu de dire les choses, elle va dire briserait, tu sais, comme we're getting there, mais comme il faut les travailler, puis il faut souvent leur prendre. J'ai l'impression que de chanter, parler, lire, écouter des trucs en anglais, peut-être que ça aide pas. Mais en tout cas, c'est ça. Fait que là, ça, c'est de la même compagnie.
les petites jasettes. Celui-là, c'est un tableau qui est à partir de 2 ans. Fait que, bon, c'est principalement pour Clara, là, et Léonore éventuellement. C'est un cherche et trouve, le royaume des actions. Fait que, c'est une grande affiche. C'est vraiment cute. Je rêve juste ça du jour où on ouvre notre salle de jeu ou ça. J'en dis pas plus, mais en tout cas, il y aurait peut-être un projet excitant qui vient avec ça. Mais c'est tellement préliminaire que j'en dis pas plus, mais on s'en parlera en 2024. Bref, tout ça pour dire, c'est bien cute, voyons donc. C'est une belle grande affiche comme ça. En plus, j'ai des trucs, j'ai un truc, tu sais, que tu peux clipper ici, puis en bas, puis l'accrocher. Fait que je ferai ça à ce moment-là. Fait que c'est ça. C'est un grand royaume, comme ça, avec des petits bonhommes. Et dans le fond, ça dit... bon, là, il y a le, cherche le chevalier qui pêche un poisson. Puis là, il faut qu'elle trouve le chevalier qui pêche un poisson. Fait que, tu sais, non seulement il faut qu'elle cherche les trucs, mais aussi, c'est des actions. Fait que de les répéter, de les dire, ça va juste être bon pour elle. Puis, ça guess que tout est vraiment pensé, là. Tu sais, moi, je suis pas... psychoéducatrice ou une orthophoniste ou peu importe comment on appelle ça, n'importe, là, mais j'ai jamais étudié vraiment ça sur le développement du langage d'un enfant. Mais tu sais, j'ai l'impression tout ça, des mots, tu sais, le chevalier lave la vaisselle, tu sais, c'est tout prononcé les V. Fait que moi, j'ai l'impression que tu sais, c'est vraiment bien pensé chaque affaire. Bon, donc là, il est 4h38. Je reviens de la garderie. Je suis allée chercher les petites madames et je me suis déjà préparée parce qu'on s'en va manger au restaurant ce soir avec mes beaux-parents, mes parents, puis les filles. C'est mon frère, dans le fond, qui nous sert. Fait que c'est le fun. Ah, tu veux? Elle veut le ballon. Dis, je veux le ballon, s'il vous plaît. Je te garantis pas qu'il pètera pas, ma petite madame. Fait que c'est ça. Alors, ça va être super le fun. Dans le fond, comme on va comme revenir tard, puis c'est un jour de semaine, je vais donner le bain tout de suite. Je vais habiller les filles autres que leur linge de garderie. Là, juste, j'aime ça les changer. Là. Puis, c'est ça, on va y aller. Puis, dans le fond, de toute façon... Ben, il y en a juste un, OK? Vous pouvez le partager. Là, tu fais quoi avec le miel, Clara? Hein? Tu peux manger le bâton, mais pas le miel. Donne le miel à maman, s'il vous plaît, OK? Un petit peu. Je comprends pas. Un petit peu. Un petit peu où? Sur ça. Mais si tu veux manger ça... Non, non, pas dans la bouche. Faut que tu t'assoies à la petite table, OK? Ouais. Avec le miel, c'est son affaire. Fait que c'est ça, je vais essayer de voler tantôt, sinon je vais vous parler demain. Bon matin, là ce matin il est déjà 8h26, ça, les filles sont prêtes pour la garderie, fait que je vais aller les porter. Je faisais juste préparer mon eau avec les électrolytes. J'aime beaucoup ceux-là, Organica, donc c'est le collagène avec des électrolytes. Puis ça c'est aux pêches et aux fraises, donc je trouve que ça goûte comme la limonade, ça goûte super bon. Je mets bien de la glace, puis tout ça. Dans le fond, je m'en vais au yoga. Fait que c'est la raison pourquoi je me fais ça. Je le fais aussi dans les journées où je suis plus active, puis tout. Mais des journées où je suis plus assise par la maison, j'en prends pas. Il n'y a pas vraiment de raison pourquoi j'en prends pas. C'est juste que ça donne comme pas. J'aime ça le prendre en hydratation. Sinon, le reste du temps, je vais prendre une eau citronnée ou de l'eau régulière. Fait que là, c'est ça, dans le fond. Moi, mon yoga, c'est un flow ce matin, donc ça va vraiment faire du bien. Comme j'avais dit hier, dans le fond, mon aide ménagère revient. Et quand je vais revenir à la maison, va être propre. Ça, c'est l'affaire la plus satisfaisante ever, je trouve. Pour vrai, je pense qu'on l'a. Puis elle est tellement bonne en plus, là. Donc, je trouve que c'est difficile de trouver une bonne aide ménagère et fiable. Tu sais, c'est tout un job. Chapeau, là, honnêtement, c'est juste ça. Je suis contente qu'on peut se fier sur eux. Fait que là, c'est ça. Sinon, après le yoga, j'ai une couple de petites commissions, mais après ça, ça va être du travail. Mais, je sais pas si vous m'entendez, je suis tombée cossante. J'ai les yeux sur mes fantômes de hier en ce moment. Là. Ça, c'est sûr, je vais vous montrer comme résultat final. D'ailleurs, il faut que j'aille justement trouver des lids à café neutres. Fait que, en même temps, je vais essayer de trouver des chandelles. Tu sais, les chandelles en plastique à batterie, là. Les filles sont prêtes. Je vais enchaîner le tout. Les filles! Je chicane tout le temps ces enfants-là. Bon, non, mon Dieu. C'est pas bien. Il reste en... Voyons, j'ai ma voix. J'ai pris ma pompe. Il reste 15 minutes avant le cours. Fait que là, je vais y aller bientôt. Là. Mais dans le fond, je voulais vous dire que j'ai eu la chance d'arrêter
au Magiprix. J'ai trouvé ce que je voulais. Fait que c'est ça. Dans le fond, ils vont estamper le logo Angle Evokers. Ça se composte, là. Je sais que c'est pas full écologique, là, mais on pouvait pas, même pas acheter des verres à tout le monde. Et puis sinon, j'ai trouvé ces petites chandelles-là. Puis c'est cute parce que le truc, c'est vraiment gênant parce qu'il y a quelqu'un juste devant moi. Pour vrai, c'est fou. Après tant d'années, je suis encore gênée de vlogger. Mais c'est ça, dans le fond, c'est en batterie, là. Puis ça bouge en plus, fait que ça fait comme l'effet d'une flamme. J'en ai trouvé deux. Mon Dieu, j'ai plus de batterie. Clara Trip sur Frozen, êtes-vous surpris? Vous le savez déjà. Mais bref, ça, c'est un truc. Ben, les livres, ça Trip, là, parce que quand même pas à l'âge encore de lire des livres plus avancés comme ça. C'est des livres là, sur la Reine des Neiges. J'en ai un paquet de quatre. Je vais pas y donner tout de suite, je vais le garder. Dans le fond, je vais commencer à prendre les trucs pour Noël, puis les envelopper. À moins que, genre, d'ici Noël, on a un, peut-être un séjour, puis là, je peux lui amener comme en surprise, mais encore là, tu sais, honnêtement, je l'ai jamais vu, ce paquet-là, fait que je me suis dit, je vais le garder, je vais le prendre, je vais l'acheter. En vrai, moi qui suis à mon chum, moi qui fais un PowerPoint sur pourquoi j'ai acheté tel enfant. Ok, donc là, ben je vlog avec mon sel parce que ma caméra est remplie de batterie. Mon Dieu, il est temps que j'aille me laver les cheveux. Là, je suis à la maison, la ménagère est passée, donc c'est vraiment parfait, speak and spam. J'ai été acheter, je suis retournée, en fait, je ne sais pas, j'étais au Magiprix, mais là, je suis à l'eau de Dollarama à côté des IGA parce que je suis arrêtée au IGA. Acheter de la peinture avec des pinceaux pour faire une petite activité de peinture, ben comme peinturer nos... quelques citrouilles là, avec les filles puis Will demain soir. Si, à date, on n'a rien, mais tu sais, on a toujours de quoi. Là, fait qu'on va voir si jamais quelque chose qui se dessine dans la minute, ben ça sera ça. Mais sinon, on a cette petite activité-là qui pourrait être le fun. C'est ça. Fait que là, ah oui, je voulais vous montrer les... oh, Seigneur, je m'allais assez, là. Je voulais vous montrer les fantômes. On va regarder ça ensemble. Dans le fond, là, ça dit 24 heures. Fait que ça dure à peu près 24 heures. J'ai fait ça hier après-midi. Puis honnêtement, ça a l'air pas pire. Là. Je les ai mis ici pour qu'elle soit capable de faire le ménage. Fait que, écoute, je vais faire genre le petit reel, puis je vais mettre le reel dans mon vlog. Je vais le terminer de cette façon-là. Moi, d'ailleurs, je vais terminer la vidéo de cette façon, parce que là, après ça, il va falloir que je travaille un peu. Je vais aller prendre une douche, laver mes cheveux et préparer un souper d'avance et des muffins avec le céréal Hello Be Love, que les filles aiment vraiment beaucoup. Puis, voilà. Donc, ça va ressembler à ça. Puis, je vais essayer de vlogger en fin de semaine. Puis, bien, sinon, on se revoit lundi. Bye! And you did right from the start.